Salut YouTube, c'est Alvaro Side Gaming et aujourd'hui j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur de Palma Beach RP. Je vais vous faire découvrir le métier de juge ou de procureur. C'est comme vous souhaitez, grâce à un mapping de Monsieur Patoche que je mettrai en description s'il arrive bien. Grimper, vas-y passe. Ah, c'est bon, je suis pas un cantard. Hein. Voilà. Alors voilà le petit mapping. Donc on va mettre notre véhicule dans le garage. Ok, il y a deux places. On peut mettre un petit vélo et un petit scooter. Allez, on va dire à quatre places. Donc on va d'abord voir l'extérieur quand même, à voir que quand même ça ressemble. Hein. Il y a des petites lumières. Donc c'est pas mal. Donc c'est situé vers le gouvernement. Hein. Palais du président, à côté il y a le tribunal. Et je peux vous dire que la sécurité elle va être optimale. Hop. Je voulais chasser des petits, enfin je voulais manger des petites flaises, mais bon, il n'y en avait plus. Donc voilà le fameux tribunal. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal vu d'extérieur. À l'intérieur, c'est aussi pas mal. Hein. Donc, petit accueil, petit ostentatuato. Digne d'un juge. Alors, hop. Je vais vous montrer parce que c'est quand même grand. Hein. Donc, là, voilà l'accueil. Petit bureau du procureur. Hop. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'on peut s'asseoir dessus, si je me trompe pas. Voilà. Ah non, je me suis trompé. En fait, il m'a TP. Ah, ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Voilà, en plus, il lit son petit journal le carnage. C'est un magnifique, c'est impeccable. Voilà, en plus, il a un petit Mac et un téléphone pompe. Pas moderne, hein, mais bon, on peut pas avoir tout non plus. Hein. Mais c'est magnifique. Ok, par contre, il est en plein déménagement avec tous ses cartons. Hein. Donc, petite machine à café. Là, il y a une petite salle de réunion. Je crois que c'est pour les jurés, je suis pas sûr. Voilà. En plus, un petit gâteau là. Je vais bien prendre un petit donut là. Oh là là, magnifique tout ça. Oh, ça va être encore joué sur mon régime, ça va dire. Comment veux-tu faire un régime avec tout ce bordel? Donc, on a fait ce côté là. On va faire ce côté là après. Donc là, on va redescendre. On va le passer de l'autre côté. Donc, ça, c'est le haut. N'oublions pas, il y a une partie ici. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Nous allons passer ce côté là. Donc il y a une petite porte ici, encore de l'administratif. Oh, qu'est-ce que je déteste. Là, j'ai ma petite idée de ce que je vais mettre. Bon alors, t'avances ou t'avances pas? Donc ça ici, bon, c'est chiotte. Hein. C'est pas mal quand même, c'est bien fait, c'est pas mal, c'est propre. C'est pas mal. En plus, il y a un petit tableau et tout. Bon, là c'est vrai qu'il manque un petit peu la vitre. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas fait pour être beau. Magnifique. On peut pas tout avoir dans ce saucisson quand même. Hein. Donc, on va aller par là. Donc là, on a une petite sortie sympa. Pour aller prendre l'air et tout. Ah, donc là, on est revenu sur le côté. On retourne à l'intérieur. On va passer là-dessus. Alors, normalement, j'ai vu quoi là. Il y avait un côté. Normalement, je crois que c'est par là. Si je me trompe pas. Et c'est pas par là. C'est par là? Non, c'est pas par là, il y a une vitre. What the fuck? Ah, c'était par là, voilà. C'était la petite porte qui était là. Là, donc là, pareil, petite machine à coiffer. Enfin, non, c'est des chips? Ouais, ouais. On va dire à manger, quoi. Et il y a des machines à de l'eau. Là. Pas ici, on peut passer par en dessous. Ouais. Ah oui, donc ça revient au garage. Ça revient au garage. Par contre, on n'a pas été par là. Voilà. Et donc voici la salle des jurés. Monsieur le juge. Monsieur les avocats. Bonjour. Ah, il y a des preuves à l'appui, excusez-moi. Donc on peut s'asseoir bien évidemment en tant que juré. Voilà, messieurs, dames, je vous écoute. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça m'étonne que c'est pas mal, c'est pas mal.
Alors là, peut-être un deuxième, une deuxième personne, je crois que je sais plus c'est quoi, il y a un nom aussi, mais je sais plus. Mais de toute façon, ah, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent s'asseoir. Mais il est vraiment serré, hein. Peut s'asseoir. Donc c'est cool. Donc là, les avocats. Je crois que tout le monde peut tous s'asseoir, je crois. Ah non. Les avocats sont condamnés à rester debout. Mais c'est pas mal, regardez, c'est quand même super, c'est quand même propre. On va voir si les gens peuvent s'asseoir, je suis pas sûr aussi. On va tester. Ah bah si, si, j'ai un mauvais parleur. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et je crois que si la place des jurés fonctionne aussi. Alors je vais retester les avocats parce que je suis pas sûr si tout fonctionne. Avant, tout devrait fonctionner. Faut juste bien se placer, je crois. Ah là là. J'avais réussi. Là. Voilà, faut juste bien se positionner. Voilà, c'est impeccable si tu veux devenir jury. Voilà, c'est bon ça dans le saucisson. Alors je crois qu'il y a même le suspect, enfin, le condamné, tout ce que vous voulez. Voilà, il peut s'asseoir. Bon, il a un peu les pieds, hein. Bon, bah, un peu sur le sous-sol, hein, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est qu'on le voit comme ça, de toute façon. Donc au final, on voit pas ses pieds. Donc c'est pas très dramatique. Ensuite, je suis sûr que les avocats, ça fonctionne. Je suis sûr que je mettrai ma main coupée, que ça fonctionne. On va quand même pas couper. Ah non, mais non. Ah non, là ça me dit chute de FPS parce que je suis en train de m'exciter dessus. Ah non, bon bah ils vont s'asseoir debout, hein, les avocats. Donc, voilà. Et bah tout ça pour vous dire que voilà, dans le Palm Beach, il va y avoir du coup le métier de procureur. Qui sera placé justement au niveau du président. Donc voilà, un magnifique lieu pour devenir procureur. C'est plutôt pas mal. Donc un beau petit métier autour de ça, autour de procureur. Donc n'hésitez pas à venir sur notre serveur hein, de Palma Beach RP. Pour avoir accès au serveur, il faut venir sur notre Discord obligatoire. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant c'est en free access et dès le mois d'octobre, enfin même d'ailleurs même la fin du mois d'octobre, il passera en waitlist, totalement en waitlist. Donc voilà, il y a encore des métiers qui sont encore disponibles. Quelques-uns, je dis bien quelques-uns, qui restent encore disponibles, comme Burger Shot qui est fonctionnel, boulanger qui a remplacé les vignerons. Actuellement, on vous pouvez recruter en tant qu'organisateur. On a déjà un patron, mais vous pouvez très bien travailler avec le patron. On a aussi tchouk 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 tchouk. Voilà, là ici, photographe, vous pouvez travailler avec une grande entreprise qui est un grand mapping qu'on a fait avec les reporters, etc. Et même pour la chaîne de TV. Vous pouvez travailler ici, c'est le même lieu. Vous voyez, c'est tout ça, c'est grand en fait. Hein. Tout ça, c'est énorme. C'est un grand mapping qu'on a fait pour ça. Et qu'est-ce que vous pouvez travailler où et quoi encore? Bon, comme je vous ai dit sur les précédentes vidéos, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez plein de taf. Voilà. Et oui, voilà aussi FBI, on recrute encore. La SPD, on recrute encore. Tchouk 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 tchouk. On a pilote aussi qui est pas mal. On recrute. D'ailleurs, il cherche un patron. Tchouk tchouk tchouk. Et puis voilà, on a quand même pas mal de choses. Pas mal de choses. Ah, on a aussi les shérifs. Parce que j'ai oublié ces shérifs. Voilà, shérif qui est complètement libre. Donc voilà, on cherche un futur vrai shérif. Carré, propre, nickel chrome. Voilà, n'hésitez pas à venir sur l'autre serveur. Hein. Il est ouvert depuis le 9. Donc n'hésitez pas à venir postuler, hein. Et bien voilà, sur ce, moi je vais vous laisser tout tranquillou. On va se quitter ben, sur le magnifique lieu de Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique. Et
Et puis voilà, surtout, hein, je vais aller voir s'il peut commander des petits hamburgers, moi. Ah non, je suis tabac, c'est vrai, je vais vendre du tabac, c'est vrai. Je voulais voir s'il était là pour. D'ailleurs, on va sonner à sa porte plus tard. Allez, sur ce, les amis, bah, c'était Alvaro Style. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace! Ciao, ciao!